n'étais pas sûre d'avoir compris. J'ai sifflé avec ça. Ça t'ennuierait pas de me répéter tout ça? Mais combien de fois il faudra que je te dise qu'elle a été attaquée par d'horribles créatures? C'est une vieille sorte de Pierre qui m'a... Je t'ai envoyé un petit cadeau. Bon, alors tu me crois? Non, je ne te crois pas. Je qu'est-ce que c'est? Je vais appeler la police et emmener cette fille à l'hôpital. Merci, maman. Il faut de la pratique. Mais, j'ai honte. Je ne sais pas si je mérite que tu me gâtes autant que ça. C'est très gentil, je m'appelle Stella. Mais pourquoi? Parce que je t'ai désobéi. Tu m'avais fait promettre de ne jamais sortir la nuit et de ne pas m'approcher de la piscine si j'étais seule. Avez-vous déjà entendu parler de Solaria? C'est très, non, très loin en fait, c'était pour je aider quelqu'un. Vous savez, un gros chat qui était tombé dans la piscine. C'est pas qu'il est encore. Mais bien entendu, j'appelle tout de suite. Allez, là, je vous apprendrai à me respecter. Un gros chat. Est-ce que j'ai une tête de chat? Non, non. Tu comprends, je dois avouer que je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Je crois que c'est venu tout seul. Bien sûr, je suis Louis Bia. De cette petite escompte est Adélaïde qui vous a enseigné. Au lieu de raconter des histoires, tu ferais mieux d'étudier. C'est toi, papa? Tu parles où je vais? Non, pas les boutons. J'ai hâte d'avoir ta mère au téléphone. Elle m'a dit que t'avais repêché un chat dans la piscine cette nuit. Excuse-moi, Eddie, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai demandé de m'expliquer la vie dans la montagne. Tu veux la faire bâcher, cette piscine? Je me demande ce que font Pierre et grand-père. Pas la peine, papa. Je n'ai couru aucun risque. Contrairement au chat, je sais nager. Tu aurais vu cette pauvre bête se débattre dans tous les sens. Heureusement que j'étais là. Pourquoi? Je ne suis pas tout seul à la maison. Il y a Ella, Edouard et grand-père. C'est l'endroit tu le es plus au bureau? Tu as beaucoup de travail en ce moment? Tu crois que je pourrais voir les montagnes? Ne te fais pas de soucis pour moi, tout va bien ici. Oh, dis-moi, comment est-ce que je m'y rends? Tu n'as qu'à prendre l'escalier. Si tu ne trouves pas, demande à Sébastien. Je monte au grenier tout de suite. Moi aussi, je t'embrasse. Et surtout, fais bien attention. Au revoir, papa. Ne te fais pas prendre par Mademoiselle Rougemont. Oh, j'oubliais, tu n'as rien mangé depuis hier. D'habitude, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Qu'est-ce que ça mange, un hérisson? Creuse-toi un peu la tête. J'ai fait des recherches sur Internet et je t'ai préparé ça. C'est quoi cette horreur? Une boîte pour chat. Jette-moi ça! Tu veux m'empoisonner ou quoi? Ben, je sais qu'il existe de la nourriture spéciale pour hérissons, mais il y avait écrit qu'à défaut, les pâtés pour chat pouvaient faire l'affaire. Je dois trouver ma place. Attends, tu vas pas t'en aller comme ça! Nous ne l'avons pas encore trouvé. Je vais me chercher à manger et je reviens. Tiens, j'ai une idée. Tu es fou, tu ne peux pas aller en ville! Ma place est là-bas, si. Salut! Oh, je ne sais pas exactement où. Non! Sonic, c'est trop risqué! Je dois y aller! Non, attends, je crois que c'est nous. Maman. Nos reporters ont eu du mal à saisir cette unique image de l'animal. Je vous propose d'entendre les premiers témoignages. Environ de cette taille et double, avec une tête de hérisson. Oui, je l'ai vu. Il m'est passé sous le nez. Une flèche. Une drôle de bestiole. Un genre de hérisson bleu. Non, il ne s'agit pas d'un arni. Un animal féroce. Non, je suis catégorique sur ce point-là. Même le jaguar, qui est pourtant l'animal le plus rapide que nous connaissons, ne pourrait jamais dépasser une voiture à pleine vitesse sur l'autoroute. Aucun animal ne serait capable d'accomplir un exploit de ce genre. C'est pour ça que c'est bon, il s'agit d'une machine et non ouais, pas mauvais. Et les gens se demandent pourquoi je suis... Tu as entendu les nouvelles, Chris? Une sorte de robot aurait mis en échec toutes les forces de police. De l'autre côté de la maison. Oui, mais ça, Mais non, voyons, il n'y a pas de montagne par ici. Vous ne verrez rien d'autre que les toits des maisons.